Écoutez cette bonne nouvelle, réjouissez-vous avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu, sache que rien n'est encore perdu. Alors juste encore pour le technicien, vraiment sur l'estrade, je ne m'entends absolument pas, voilà. Ah voilà, je me suis trompée de micro. Bon ben. Alors est-ce que ceux qui étaient abattus ont crié de joie? Est-ce que ce matin on peut crier de joie pour le Seigneur et l'accueillir? Amen, Seigneur sois le bienvenu. C'était vraiment mon souhait pour ce matin, qu'on puisse être libre de nos peurs, libre de tout ce qui est devant nous. Je sais que les mamans, les parents, les grands-parents, la rentrée, c'est toujours source un petit peu de stress. Hein. Et ce matin, j'ai envie de chanter avec vous parce qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre. Et sûrement que vous avez de tas de raisons de vous en faire ce matin.
Mais ensemble, on va rentrer dans cette présence. Il est le prince de paix. Et sois le bienvenu, Jésus. C'est ce que nous voulons lui dire, être reconnaissant, l'adorer. Oublier tout et simplement lui dire, tu es là, je n'ai plus rien à craindre. Amen. Vous voulez aussi rentrer dans cette présence? On y va. Par ce qu'il vit. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre recevoir une douce paix du Saint-Esprit, une consolation, une assurance profonde qu'il est là, qu'il est présent et que tout ira bien. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne.
Si je vis, Seigneur, c'est
Merci pour ton de bonté.
votre voix là où vous êtes et simplement commencer à dire merci. Merci pour cette croix. Merci pour ta vie. Vie que tu as donnée pour chacun d'entre nous. Là où tu es mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es devant ton écran, élève ta voix et simplement dis merci. Merci Père d'avoir donné Jésus, notre sauveur bien-aimé. Merci de nous l'avoir donné, de nous l'avoir accordé. Merci pour l'amour qui s'est manifesté à la croix. Merci Seigneur d'avoir accepté de venir mourir pour des hommes et des femmes comme nous le sommes. Merci d'avoir accepté de donner ta vie afin que quiconque croit en toi ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Merci de ce que ce matin nous pourrons célébrer ce moment et le célébrer de tout notre cœur. Nous te bénissons et te glorifions. Paul aux Corinthiens dit simplement, alors que nos yeux sont fermés, que nous restons en communion avec le Seigneur, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors que nous sommes là dans le recueillement, alors que nous nous souvenons de ce que Christ a fait pour nous, nous nous rappelons qu'il a accepté que son corps soit rompu, brisé. Mais il a fallu que ce corps soit rompu pour que chacun d'entre nous, nous soyons nourris par ce corps. Aujourd'hui, Christ est en nous et en chacun d'entre nous. Comme lors de la multiplication où le pain fut rompu et se multiplia pour nourrir des foules. De la même manière, le Seigneur a accepté d'être brisé pour que chacun d'entre nous recevions la grâce et soyons nourris par sa présence. Nous désirons souvent être en bénédiction pour les autres, mais mon frère, ma sœur, nous ne pourrons bénir les autres que dans la mesure où nous acceptons nous-mêmes d'être brisés. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruit. Si je n'accepte pas le brisement, je ne pourrai pas être en bénédiction. Ce matin, pourrions-nous prendre cette scène en disant simplement au Seigneur, « Je veux te servir. » Et quel que soit le chemin, même si il est le chemin du brisement, je veux accepter de ressembler à mon maître pour être en bénédiction pour beaucoup d'hommes et de femmes. Je veux accepter de renoncer à moi-même. Je veux accepter, Seigneur, de me détourner de ce qui fait ma vie. Je veux accepter de mourir à moi-même pour pouvoir être en bénédiction pour les autres, comme tu l'es pour moi ce matin. Vous qui êtes devant vos écrans, nous allons prendre ensemble le pain et le vin. Dans peu de temps, nous allons le prendre ici aussi. Encore quelques semaines et nous allons pouvoir le partager en même temps, ici dans ce lieu. Mais en attendant, j'aimerais demander à Géraldine de prendre le prochain chant et j'aimerais juste vous dire, vous qui êtes ici, là dans ce lieu, dans cette salle, priez en disant, Seigneur, et même si c'est le chemin du brisement, et même si c'est le chemin de l'humilité, de l'humiliation, si cela contribue à la bénédiction d'un plus grand nombre, si ma vie alors, au lieu d'être concentrée sur moi-même, n'est plus que concentrée sur toi et devient une bénédiction pour d'autres, je le veux, je le désire de tout mon cœur. Père, nous t'apportons ce pain et ce vin, et nous te remercions pour ta présence. Pouvez-vous commencer à prier avec moi? Pouvez-vous commencer à élever votre voix et à dire, Seigneur, merci pour ton corps brisé. Merci pour ton corps brisé comme ce pain rompu, partagé entre plusieurs. Imagez également de la communion à un même corps. Nous communions à un même corps. Nous communions
au travers d'un même esprit. Ce matin, nous voulons te dire merci, merci, merci pour la croix. Merci d'avoir accepté de mourir. Merci d'avoir accepté ce corps brisé pour bénir l'humanité dont nous faisons, dont je fais partie. Merci également pour ce vin symbolisant ton sang, ce sang qui a été versé pour la purification de nos péchés. Et ta parole dit qu'il nous purifie de tout péché. Ce matin, que personne ne reste sous une culpabilité, mais que, conscient, Seigneur, de son péché, il puisse se repentir et réaliser « Le sang de Jésus me purifie de tout péché ». Seigneur, c'est dans cet état d'esprit que nous prenons le pain, que nous prenons le vin et que nous nous réjouissons ensemble. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Géraldine, merci. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai
matin bénir un homme qui est chef d'entreprise et je vous vois devant des factures. Vous avez votre tête entre vos mains et vous êtes profondément affligé en disant mais autant d'années de travail et maintenant tout s'effondre. Et le Seigneur vous dit, cher frère, la chose suivante. Tout ton travail est ruiné par la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Situation qui est hors de ton contrôle et que tu subis. Cependant, ton travail a été ta priorité. Tu y as investi ton corps, ton âme, ton cœur. Tu m'as servi, mais tu m'as servi toujours lorsque tu avais le temps. Et ce matin, je te dis juste, mon fils, remets-moi à la première place. Et c'est moi qui vais relever ton entreprise. Mais remets-moi simplement à la première place. Si tu prends cet engagement aujourd'hui, dans les jours qui viennent, va venir un contrat qui redressera ton entreprise. Et tu sauras que c'est moi parce que tu n'as pas même postulé pour cela. Je t'aime, te dit le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui vraiment souffrent au niveau de leur dos, mais de manière particulièrement intense, jusqu'à avoir du mal à faire leur travail quotidien. Et ce matin, le Seigneur vous touche dans son amour et vous guérit. Vous allez repartir et vous allez pouvoir vous réjouir. Sa présence est là. Il vous aime et il le fait. Mon frère. Le Seigneur veut parler à plusieurs d'entre vous, aux hommes et aux femmes de son peuple, ici et sur le net. Et le Seigneur dit, plusieurs, vous êtes comme ce serviteur qui a enterré son talent. Vous êtes devenus comme des arbres secs, morts, et vous ne portez plus de fruits. Et le Seigneur vous dit ce matin, mes enfants, humiliez-vous. Et avec la force que vous avez, que je vais vous redonner, recommencez à me servir. Recommencez à mettre au service, à mon service et au service de l'Église, le ou les talents que vous avez enterrés. Une nouvelle joie. Une nouvelle vie va commencer pour vous, dit le Seigneur qui vous aime. Oui, il le répète encore, déterrez ses talents, parce que ce temps difficile n'a pas arrangé les choses. Mais ne suis-je pas votre Seigneur bien-aimé? Ne vous ai-je pas sauvé pour me servir? Alors relevez-vous et servez-vous, servez-moi avec la joie que je vous donne et votre vie sera transformée, dit le Seigneur qui vous aime. Tu es assis dans un fauteuil, tranquillement derrière ton écran, et tu dis, mais pourquoi ne me laisses-tu tant souffrir? Je souffre maintenant déjà des années, et tu me laisses souffrir. Et le Seigneur te dit, tu as été un obstacle pour tout ton entourage. Repens-toi. Si tu te repens, tu seras libéré, guéri. Mais repens-toi, car tu as retenu tout ton entourage de ma face et de ma présence. Et que le Seigneur est là, il est présent. Placez votre main là où vous souffrez, soit derrière l'écran, soit derrière dans la salle, car la puissance de guérison agit en cet instant. Merci Seigneur, merci qu'en cet instant, cette puissance de délivrance, de guérison
Ô Dieu d'amour, Dieu de gloire, toi qui as payé à la croix, toi qui as versé ton sang, aujourd'hui tu libères, tu guéris. Merci Seigneur, nous sommes vraiment dans l'adoration et la reconnaissance pour ce moment de délivrance où les souffrances quittent les corps au nom de Jésus. Plusieurs se sentent abandonnés, se sentent délaissés par Dieu avec ce que vous vivez. Et Dieu vous dit simplement, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Place ta confiance dans ma parole. Je ne t'abandonne pas, je suis avec toi. Je t'aime et j'ai donné ma vie pour toi. Sache que je t'aime très fort. Sois béni, Seigneur. Il y a simplement encore un homme, vous nous suivez sur le net, et vous êtes devant votre écran et vous avez dit, mais Seigneur, tu m'as oublié. J'ai prié pour que tu me parles dans ma situation particulière. Il y a un peu de jours, vous avez passé une radio et on a constaté une tâche importante sur votre poumon. Vous êtes très inquiet. On vous a laissé sous-entendre que cela pourrait être un cancer. Et vous êtes là devant votre écran et vous avez dit, mais Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur te dit, mon fils, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Je vais intervenir et je vais te secourir. Mais cette foi que tu as témoigné tant de fois aux autres, toi qui as tant de fois encouragé d'autres malades, toi qui tant de fois, lorsque tu étais en bonne santé, eh bien, disais aux autres qu'ils devaient être fermes dans leur foi. Alors que tu es éprouvé, je t'appelle toi-même maintenant, sois ferme dans ta foi et tu me verras agir. Je t'aime et je t'encourage aujourd'hui. Je suis avec toi. Nous allons prier également pour les offrandes. J'aimerais vous inviter à prier à haute voix pour les offrandes. Et plutôt que ce matin prier en disant « Seigneur, merci de bénir les offrandes », commençons à dire « Seigneur, merci de bénir mon offrande, celle que moi j'ai apportée. » Pas celle que les autres apportent, celle que moi j'ai apportée. Seigneur, je veux te bénir pour l'offrande que je peux apporter dans ta maison. Je veux te bénir pour la grâce et la joie que cela représente de pouvoir contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, également par, Seigneur, ce moyen très, très concret. Tu donnes du travail, tu permets que nous ayons un salaire, tu permets que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu. Et Seigneur, nous voulons le faire et je veux le faire avec joie. Et je veux le faire, Seigneur, avec cette joie qu'exprime l'apôtre Paul, que ceux qui donnent le fassent avec joie et sans contrainte, dans la liberté, parce que c'est un privilège, parce que c'est un honneur, parce que c'est une grâce. Seigneur, si nous n'emportons aucun bien avec nous, mais ce que nous avons investi pour ton royaume nous suivra pour toujours. Je veux bénir tous ceux et celles qui ce matin, de tout cœur, contribuent également de cette manière-là, par leurs offrandes, à l'avancement du royaume de Dieu. Et je veux bénir ceux et celles qui peut-être sont dans une phase où ils ne le peuvent pas, où économiquement ils ont été frappés, où ils ont perdu leur travail. Père, nous voulons les bénir et te demander de les conduire et de les aider à retrouver un travail. Qu'à ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Merci pour ta fidélité. Et Seigneur, au travers de ce que tu nous donnes, nous voulons l'investir pour l'annonce de l'Évangile dans notre pays, mais également, Seigneur, en Afrique du Nord, partout où tu nous le permets, nous le désirons de tout notre cœur. Amen. Amen. Nous allons chanter un dernier chant. J'aimerais juste dire à tous ceux qui nous suivent également sur le net et qui nous suivent parce que vos églises sont peut-être encore fermées actuellement, vous désirez contribuer avec vos offrandes. Par intégrité, j'aimerais vous demander de donner dans vos églises. Ce n'est pas parce que nous prions pour les offrandes ici que vous allez devoir envoyer les offrandes ici. Non, vraiment soutenez vos églises. Il y a de petites assemblées dans ce pays et il est important que nous les soutenions. C'est important pour nous. C'est important que l'Évangile continue à se répandre dans ce pays et que ces petites assemblées, après cette crise, puissent rester debout. Alors, soutenez vos églises. Et tous ceux qui se sentent être membres de cette église, bien sûr, vous soutenez votre église locale ici. Que Dieu vous bénisse richement.
Un dernier chant, ma petite Géraldine, ma grande Géraldine. Toi, fille.